Je fais quoi? Ah, putain, c'était quoi? Ah, c'est les planches. Ok, j'ai eu peur. Okay. Fais des photos, non. Je montrerai à la police. J'ai peur. Mais débarrasse-toi-en, je sais pas. Mais débarrasse-tu de quoi? Tu veux que je me débarrasse de quoi? Arrêtez, je fous le feu aux oursons. Je vais tout cramer, je vous préviens. Parsec, c'est quoi? C'est un système qui nous permet de jouer au même jeu tous les deux. Ouais. D'accord, ouais, admettons. Donc là, on a Visage, donc qui est un jeu normalement qu'on peut juste soloter. On peut pas y jouer à deux, il n'y a pas de coopération dessus. Mais Parsec, en fait, permet à Chris et à moi, étant donné qu'on a le logiciel, en fait, Chris voit mon point de vue, en fait. En gros, ça screen mon écran, il voit ce qui est en train de se passer, mais il peut aussi contrôler le moindre de mes faits et gestes. Donc en fait, Parsec, c'est comme si Chris, là, il était juste à côté de moi. Ce soir, on est sur Visage, un jeu d'horreur. Chris, alors je le répète encore une fois, Chris m'a dit « Je n'ai pas peur », c'est les propos qu'il a tenus envers moi. Moi, j'ai dit « J'ai peur ». Moi, j'ai annoncé direct, parce que je l'ai dit sur tous les réseaux. Moi, Visage, c'est un jeu qui me fait peur. À partir du moment où tu as un concept avec une santé mentale, moi, je ne le sens pas du tout. Ok, moi, ça va, je gère. Toi, tu gères? Ouais, je gère. Okay. Ah, je reste un homme avant tout, quand même. Oh, là, on entend quand même, moi, je trouve. Ah, bah, là, on entend, là, un peu. Un peu. Légèrement, quoi. On part sur une bonne ambiance. C'est roulé de russe. Ah, mais nous, on est le méchant, là. Ah, non, mais je ne sais pas qui on incarne, hein, mec. Bah, y a la fille en face. Mais la fille, mais quelle fille? Mais la meuf, là. Mais je vois bien. Bah, je vois bien qu'il y a des gens, mais il y en a d'autres à gauche, regarde. Oh, j'adore être les méchants. T'as un gros problème psychologique. Ouais, je pense. Oh, ça m'a fait peur. Merci pour le don de 20 €. Tu crois que c'est notre femme? Ah, je sais pas. Il tuerait la femme et sa fille. Ne passe pas la cinématique, surtout. Jamais de la vie. Enfin, mec, y a pas qu'une balle, là. On en a la quatrième. Une pour papa, une pour maman, une pour la petite. Le chien. Tout le monde. Ah, c'est bien fait graphiquement déjà. Je suis pas bien là. Oh, ah, c'est vraiment sa famille. Non. Oh, oh putain. Quoi? C'est grave chaud. Mec, les enfants, mec. Ah non, il peut pas. Je pense qu'ils peuvent pas tuer des enfants dans un jeu. Ils ont pas le droit, je crois. Tu crois qu'ils ont pas le droit de tuer des enfants dans un jeu? Ok, ils le font quand même, ils le font quand même. Et l'autre, le petit là, enfin la petite. Oh, oh putain. Mais il tire à côté depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'était une blague. En fait, c'est un prank, c'est un youtubeur. Et bah, fin du jeu. Et bah, c'était très bien. Attends, mais qui on est là? Est-ce qu'il boite? Il s'est raté? C'est qui? Elle est partie dans le pied? Je sais, mec, vas-y. Allez, je commence. Non, c'est toi. Toi d'abord. Vas-y. Je commence. Ok. Ouais. Ok, vas-y. Là, c'est elle qui va jouer, d'accord? C'est pas moi. Mais regarde, tu peux montrer. Moi, je lâche. Vas-y. Ah ouais, que je c'est toi, du pas. Coup. Ah, ok, vas-y. Voilà, c'est bon. Je reprends. Attends. Allô? Allô? Ah. C'est la vieille qui te fait chier à 23h, tu sais? Parce que t'as laissé ta lumière allumée. Je streamais. Tu mets le tête des fesses? Bah ouais. Bah tout ça pour ça? Bah écoute, Martine, super, accroché, allez hop. Salut Martine. Par contre, son appart, là, il est ultra glauque. Hein. On dirait pas, mec, la démo de Pity. Je connais pas. Non mais c'est pas... Mais toi, attends, c'est... Attends, mais c'est quoi cette pièce, là? Je sais pas, moi, je me balade, hein. Avant d'aller en bas, moi, je...
Ouais, c'est toi qui as parlé, moi je... Ah! Salle de progression. Cette salle contient les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons, dont à la fin d'un chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression. Paul, voilà, mais... ça va falloir qu'on trouve des bougies, là. Attends, on s'est fait couper l'électricité, mec. Bah, tu m'étonnes, t'as vu le nombre de bougies qu'il y a? Non, mais attends, là, le mec se pète la gueule. C'est pas de la déco, c'est juste qu'il a plus de courant. Hein. Les bougies sont des sources lumineuses fixes pouvant être allumées avec un briquet. Se déplacer avec, à la main, une bougie allumée l'éteindra. Ah, elle dure longtemps et améliore la santé mentale de votre personnage. Ah! C'est le canapé le plus moche que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai pas osé le dire, mais je le trouve dégueulasse. On dirait un squat. Il est moche. Oh, regarde les empreintes de doigts. Bon, ça, c'est juste un meuble sale. Hein. Ah bah, ils J'en sont... ai plein chez moi. Ah ouais? Non, j'ai pas de meubles. J'ai pas de meubles, je vis par terre. La santé mentale de votre personnage affectera le gameplay. Entre autres, rester trop longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage. La santé mentale de votre personnage est représentée par l'icône de cerveau en bas à gauche de l'écran. Si vous voyez le cerveau très nettement, la santé mentale de votre personnage est dangereusement basse. Et des événements dangereux surviendront. On me dit que sous les signes, il y avait marqué un truc. Sous les signes. Bah j'arrive. Ouais, je suis pas très patient. Mais y a rien marqué. Mais vous m'avez menti, bande de cons. Mais y a rien du tout, foutez de ma gueule. Si tu éteins la lumière, que tu fais trois fois le tour en regardant. Quelle bande de nuls. Ok, je vais à la lumière. Ah, y a des gens dehors, hein. Putain. Ah ouais, pardonnez-moi, ça beaucoup. Ça se trouve, on est ce mec-là, là. Tu crois? Je sais pas, mais si c'est nous, on est flippants et super moches. Bah, en fait, on a une tête de tueur. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi l'ampoule, là? C'est quoi? Bah... c'est une arme ou quoi? C'est une quoi, ça. Attention, je vais te mettre l'ampoule dans la gueule, hein. C'est quoi cette merde? Je te préviens. Ah, mais elle est cassée, la nôtre, non? Ah non. Ah oui, d'accord. Il se passe quoi? Je vais mettre des ampoules partout, hein. Je te préviens. Peut-être qu'ici, on peut y aller. Non. Bon, on va peut-être aller en haut, alors. Mais le mec, il se laisse aller, quoi. Il y a rien qui va dans cette maison. Ouais, je comprends. Par contre, il y a une hauteur sur plafond. Dis donc. Ouais, c'est vrai que... En même temps, il y a un étage, donc c'est mieux, quoi. C'est vrai, effectivement, parce que se cogner la tête... C'est relou, au bout d'un moment. Quand même plus pour l'instant, j'ai pas peur, moi. Mais... Ouais, non, allez, salut. Attends. Oh, regarde dans le miroir. C'est faux, il y avait rien. T'es fait, malade, hein. T'as vu? T'as senti là la flim? J'ai fait. Oh. Y a du dentifrice. Bah attends, regarde, je crois même qu'il y a du fil dentaire. C'est un monstre, mais beau gosse. Bah tu me diras, pour un monstre, s'il veut manger les gens, il faut avoir une hygiène buccale impeccable. C'est clair. J'ai peur. Mais non. C'est toi qui as fait ça? Bah alors j'ai juste cliqué, mais le truc s'est ouvert, quoi, de cette façon-là. Mec, pourquoi la santé mentale elle. Attends, il était là le dessin avant? Arrête, le panda? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je crois pas qu'il était là en plus. Prendre cet objet lancera un chapitre. Ah, on n'avait même pas commencé le... T'as cliqué? Merci beaucoup, Chris. Pas de soucis. Oh là là. Oh putain, j'aurais dû garder... Ah, ça c'est pas... Ça, mec. Oh, cette chambre est si glauque. Tu peux pas prendre un truc dans la chambre? Tu veux que je prenne quoi, le panda? Et je frappe quelqu'un avec? J'ai pas un objet. J'en sais rien. Pourquoi la porte? C'est toi qui as fermé la porte. Je peux plus. Non. Chris, je peux pas ouvrir la porte. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Chris. Quoi? Je peux pas, c'est toi qui as fermé la porte. C'est pas moi. Mec, attends, c'était pas ouvert ça. Ah ouais, non, c'était clairement pas ouvert. Hein. Mec, je n'ai pas... Attention derrière toi. Qu'est-ce que... Arrête. C'est faux, j'ai menti en fait, c'est faux. Moi non plus. Ah. Oh. Qu'est-ce oh non, ça fait peur ça. Interagir, knock, knock. Est-ce que la petite, elle est dans sa chambre? Mais... Attends, start. Ça a répondu. J'ai fait toc toc. Ok, il y a eu un putain de blanc et ça fait toc. Je sais pas bien. Je retape, écoute. Mec, je suis pas bien. Oh là là. Ok, je... J'ai très peur, Chris. Y'a quelqu'un? Je pense qu'il faut que tu sortes du meuble. Oh non, la porte elle était pas ouverte, mec. La porte elle était pas Attends, ouverte. Attends, mais tu vas comme ça, toi. Mais tu veux que j'y aille comment? Ah, mais mec, quand il y a de la lumière comme ça, je me sens bien. T'as entendu? Non. Arrête. T'as pas entendu? Non. Ok, non, bah continue, t'inquiète. Je pense que c'est... Hein, tout va bien, t'inquiète pas, panique pas. Pense c'est chez moi, il y a un monstre. Ouais. Attends, c'est là, quoi y a... la pièce, là? C'est quoi cette merde? Je savais que c'était la chambre des parents. Oh, elle fait peur, cette chambre. C'est la pièce qui est contre la porte, la chambre de l'enfant, on est d'accord? Bah, je crois. Oh.
Ah ouais? Ouais, c'était ça. Donc c'était là le toc-toc. Elle était pas ouverte cette porte? Elle était fermée? Ah bon? Ah oui? À moins que t'aies les clés? Non, j'ai pas, bah, j'ai pas les clés, moi. On sait jamais. Encore ce canapé moche. Oh putain. C'était quoi ça? De quoi? Il y a des bruits bizarres. Mais moi j'entends rien. Mais c'est La là. télé, c'est notre maison! Y a quelqu'un? Attends. Y a une meuf à la The Ring! Quoi? Attends, j'ai pas vu! Y a une meuf Oh à la non, ça peut faire! The Attends, Ring au c'est milieu! Arrête où? putain! Mais ne bouge pas comme ça! Non mais regarde-toi, vas-y, moi je Attends, lâche le c'est quoi truc. cette pièce? Non, j'ai trop peur. Merde! Vas-y. Mais démerde-toi. C'est quelle pièce ça? Avec un. C'est une chambre, on dirait, non? Y a rien qui va dans cette maison. Chris, moi je te propose un truc, écoute. On prend la porte là, pète la vitre, on se barre. Mais non, je suis pas sûr de ça. Alors que descendre à la cave. Mec, 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 c'est un mauvais bail. La santé mentale! On va se faire buter! C'était quoi cette meuf à la The Ring là? Va dans la chambre des parents. Ah bah, comme ça, impeccable. Oh, le bruit de la porte quand elle s'est fermée! Ouais, ça fait peur quoi. Oh ta vache! Jour où je prends une porte comme ça, C'est la mer. les comprimés vous aident à rester sain d'esprit. Ils sont essentiels à votre survie lorsque Ah. votre santé mentale est dangereusement basse. Eux seuls vous permettent de la retrouver. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais faut que j'en aie à la main? Comment? Où c'est que tu ouvres ton. T'as pas d'inventaire dans le jeu? Si, tab, ouvrir l'inventaire. Ah, parce que là, attention, j'ai des pilules, hein! J'hésiterai pas à m'en servir! Je Je suis pharmacien, moi, d'accord? Il me faut 2 secondes pour mettre un Doliprane 1000 dans la gueule, hein! Ok? Alors maintenant, vous calmez! On dirait une droguée! Je suis là avec mes pilules! Non, mais attends, j'en ai encore là! Mais attends, moi, je vais tout prendre, rien à foutre, hein! Qu'est-ce que c'est? Dégagez-moi ça. Je garde mes pilules au cas où! Ça peut toujours servir, on sait pas. C'est moi ou là-bas c'était éteint et ça s'allumait quand j'ai avancé? Non, t'inquiète. Non, non, j'ai un truc, tu te rassures, Chris. Non, vraiment. Y a quelqu'un? Ouh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous, hein! Et j'ai peur, merde, à la fin! On peut pas lui éteindre son truc à l'autre là? Mais je sais pas. Je vais lui faire bouffer, hein, je te dis. Ah oui, mais tant qu'on n'a pas de briquet, on peut pas l'allumer. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Mais il n'y a pas une cuisine quelque part? Allume là. Attends, mais ça. Ah. Oh Oh yes. yes. Bah tout à l'heure ça. Attends, attends, à droite. Qu'est-ce que c'est écrit quoi? Regardez pour la clé du garage. Vraiment. Ah, dans la poche de votre jean. Ah, dans le laundry room là, dans le bordel où tu mets toutes les fringues. T'entends? Chris? C'est quoi ça? T'entends ou pas? Bah oui, j'entends. C'est toi. Mais non! Si, c'est toi. Mais je te jure! Qui me dit que c'est pas toi avec tes paquets de crocodiles? Mais non, il est loin! Ça c'est toi. Ça c'est toi. Non. Mec, je te préviens, si sur le replay je vois que c'est Je toi, te je promets, monte c'est à pas Angers. moi. C'est genre 1 heure de train, hein, pas plus, hein. Et je te pète la gueule, hein. Je te préviens. Je suis à bout, là. J'ai des C'est pas médocs. moi. Tu vas prendre le pilulier, hein. Oh! OK, la cuisine. Laundry room! Eh ben, Eh ben, oh il doit le bien y jean. avoir le jean ici! Je pense que le Y'a jean pas c'est le putain de une jean! légende urbaine. Ce jean, il n'existe pas! Ah, je Attends, tu pense sais ouais. quoi? Attends, attends, j'angoisse! Quand j'angoisse, moi, je ferme les portes. Alors. Ah! Cinématique! Tiens, le jean! 90 degrés! Et Tu hop! penses que c'est ça? Bah oui! Pourquoi il me dit éviter Mais de rester tu te trop caches longtemps? dans... Je suis en cinématique! Ben, il prend la clé. C'est ça. Ah ouais, Bingo. c'est ça. Yes! Je suis pas bien. Les amis dans le chat, est-ce que ça c'est bon pour vous le Oh, son? c'est la clé du garage! Ok. On l'a. Moi, je vais prendre un petit verre d'eau, ça va me calmer. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bah ben, là, on va au garage, on est d'accord? Ah ouais. Mais Ouais, il y a ou on peut là. descendre là pour voir, hein. Mais mec, je ne sais pas comment. Tu sais qu'à chaque fois, je me demande si c'est pas toi, mais tu me dis que non, donc je te crois. Bah oui, crois-moi. S'allumer. Rallume, rallume, rallume la santé. Oh, tu vois ce que je vois? Le saxo. Mec, 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 mec.
Stop, attends. Ça veut pas dire qu'elle était là où on est? Par rapport à la configuration. Ah non, elle était... Ouais, très bonne idée. Vas-y. Hop, allez, allez, hop, ça suffit, les referme conneries, les portes. On arrête tout maintenant. C'est bon, ça va 2 minutes. Allez, vas-y, va dans l'autre pièce, démerde-toi. Quoi? Ouais. Ok. Allume, allume. Mais j'arrive pas à la... Allume. Mais t'entends? Attends, je panique. C'est quoi ce truc? C'est horrible. Mais bouge. Mais quoi, où ça? Mais allume les lumières. Mec, j'ai trop peur. Elle est là. Elle est dans cette pièce normalement. Mec, j'ai trop peur. Allume. Je peux pas, ah, je peux pas, j'ai trop peur, je peux pas. On va crever. Ça faisait de la lumière, moi j'aimais bien. Allume la lumière. Sauvegarde. Mets-toi dans le congélateur, Chris, et vite, ouvre le congélateur. Mais y a un cadavre dans ses yeux. Ah ! Mais t'es un bébé. Chut, y a un truc qui fait des clics. Chut. Vas-y. Attends, clic gauche pour utiliser, ok. Chris. Oui, je vois. Madame, oh là, par terre. Madame, écoutez-moi. Si vous êtes atteinte du corona, ça se soigne, il y a plein de solutions pour ça. Faut pas paniquer. Non. Attends, peut-être qu'elle va pas nous tuer. Arrête, Chris, prends la photo. Attends, j'ai putain de lumière. Écoutez, faut pas paniquer. Qu'est-ce qu'il vient de faire tomber? Une bougie. J'arrive pas à l'allumer. Chris, j'arrive pas. Y'a pas de lumière. Fais photo. Écoutez, madame, ne pas paniquer. Chris, les médicaments. Moi je ne peux pas. Ouais, lui mettre dans la gueule aussi c'est une solution. Mais t'y vas. Moi je... C'est bon, sauvegarde, t'y vas. Tu te... C'est quoi, une seringue? Ah, c'est une seringue. Oh, tenez, c'est une droguée, c'est l'antidote pour le corona. C'est une droguée. Quoi? Sur le mur? Ah oui. Attends, on a peut-être des pilules, des trucs. Ah, attends, les cow-boys sont de retour. Attends. Mec, il faut que... Oh! Regarde! T'as vu tout ce qu'on rate? Oui, un briquet. Regarde, une ampoule. Ah oui, une ampoule. Ça, c'est important, ça. Ouais, enfin, quand... Oh non. Qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a... Ah, mais c'est toi qui prends des photos depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est moi qui clique. Tu maintiens un clic gauche. Mec, ça pleure, non? Ah ouais, je sais. Hein. Je sais pas. Mec, il fait trop noir. La lumière, interrupteur. Vas-y, la panique. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, tu continues, hein. Les médicaments. Les médicaments. Moi, je prends. Hop là. Allez, un Doliprane 1000, c'est reparti comme en 40. On va pas se laisser emmerder, hein, quand même. On a vécu plus difficile, hein. Ah ouais. Ouais, bah oui. La télé est éteinte. Ah oui. T'as vraiment coupé le courant. C'est moi qui ai dû couper le courant. Elle est remontée dans sa chambre, c'est sûr. Venez jouer avec moi. Chris, stop. Oh là là, je vais plus. C'était pas rouge. Ils ont mis des LED Philips. Ah, trop bien ça. Ah, les Philips Hue, ça c'est pas mal ça. Mais il y a de la fumée, t'as vu? Surtout qu'il y avait de la fumée en bas. Ah! Bah, c'est peu commun d'avoir une maison dans des lieux comme ça. Attends, mais il habite dans une montagne, ce con. Chérie, je vais chercher le courrier, hein. Ah, dans 20 minutes. Guilt, c'est quoi? C'est comme. C'est coupable? Prends la peluche, on sait jamais. Petit Martin. Moi, tu vas. Mec, je me sens mieux d'être dehors. Doucement. Ah, tu te sens mieux, ouais. Attends.
Non, quoi? Pas lâcher. Je veux le ranger dans l'inventaire, le Zippo. Ah, bon. En jeu, non, laisse. À droite. Il y a Franklin à droite. Mais je peux rien faire, c'est des décors. Mais je sais que tu peux rien faire, c'est juste que je veux le regarder, ça m'apaise. J'ai le droit de retourner en enfance, ok? Guilt, c'est culpabilité, on nous dit. Ok. Je trouve qu'on avance bien. Ouais, je pense, ouais. Non, mais franchement, on a le bon filon, hein. Je sais pas où on va. Il y a un panda géant à droite, mec. Je pense qu'on est dans l'imaginaire de l'enfant. Dans la ouais, tête. Je pense. Voilà. Mec, je vais boire un coup de Monster. S'il y a un jumpscare, ah, c'est sûr, je m'étouffe, je meurs. Ah, par contre, est-ce que je peux me permettre une petite réflexion ou pas? Ouais. C'est pas étonnant que la petite, elle souffre de problèmes psychologiques. Parce que quand tu vas lui dire, allez Lucie, va jouer avec tes jouets dehors. Ah bah voilà la gueule de la cabane pour enfants, hein. Hello Lucie, I want to be your friend, Lucie. Ok, je veux être ton amie. Oh, il sort de la télé. Oh, Lucie, elle est pas contente. Il attrape la maison de Lucie. Oh, Pico. Pico. Friend. Delete. Ils ont mon amie. Ah non, ils ont volé le perroquet. Ah, les salauds. Oh, la clé de Mickey. Non mais Lucie, je crois que c'est la gamine. Lucie, elle a des gros... Elle a le corona, je te dis, il y a des problèmes. Mais elle est torturée. Mais elle est torturée de quoi? Il y a des... C'est quoi ça? Écoute-moi. Derrière toi. La radio. Il parle de Pico? Il fait tout noir dehors, Chris. Ouais, j'ai vu. Do it. Just do it. Je fais quoi? Putain, c'était quoi? Ah, c'est les planches. Ok, j'ai eu peur. Ok. Fais des photos, non. Je montrerai à la police. J'ai peur. Mais débarrasse-toi-en, je sais pas. Mais débarrasse-lui de quoi? Tu veux que je me débarrasse de quoi? Arrêtez, je fous le feu aux oursons. Je vais tout cramer, je vous préviens. Je pense que c'est juste un truc comme ça, hein. Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Oh. Ok. Qu'on fait? Mais nique ta mère! Mec, t'es comment là? Je suis bien, mais tout à l'heure j'ai sursauté, mais vraiment, je crois que c'est un grand saut que j'ai fait. Sérieux? Ouais. Putain. Ah, les interrupteurs. Oh putain. Oh mais... non, on est de retour là. Ah non, me dis pas qu'il faut suivre les... Ah. Ça va pas te faire ça. J'ai paniqué. Ah, c'est vrai qu'il y a plein d'interrupteurs. Mais ouais. Oh non. Oh non. Oh non, mais... Pas moyen de l'ouvrir. Bah tiens, voilà autre chose. Mais ferme ta gueule, Lucie. On va crever, hein. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Mec. Je suis sûr qu'elle est en face. Ah, oh putain, ah. Lucie, c'est nous. Oh là 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 là. Tout va bien. Je vais bien. Ok, bon, heureusement que je suis pas cardiaque. Putain. Par contre, elle était les cheveux très très mal faits. Mec,
Moi, dès que j'ai entendu son souffle se poser sur ma nuque, j'ai fait, je lâche toutes mes responsabilités. Oh putain de merde. Je propose qu'on fasse cette partie-là au prochain live en vrai. Putain! Elle va nous crever! Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais non, celui-là pareil! C'est la santé mentale! Mais allume! Allume-toi! Allume-toi! Mais elle danse qu'est-ce du qu'elle vole? Attends, elle danse le logo BGT on là. Va crever! Voilà, bon, je fusionne avec on continue alors. La prochaine fois, d'accord? Ouais. Moi, je suis pour que. On continue pour la prochaine game. Attends. Ouais. Même, regarde. Pour qu'on arrête de stresser, voilà. Ah! Okay. Ça va beaucoup mieux là d'un coup. Allez, on rallume les lumières là. Moi, je suis tout seul chez moi, je suis pas bien. Mec, on s'est fait choper. On a réussi à gérer quand même et ne pas se faire attraper pour le moment.